Et yo les gars, scène à la suite, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale puisque je vais vous parler aujourd'hui d'un bug qu'inconnu à pote à moi sur la Play. Du coup, je vais vous montrer tout simplement, voilà, je suis allé sur son compte et j'ai donc enregistré les images, donc la vidéo que vous voyez en ce moment. Tout simplement, c'est un pack opening. Mais la petite subtilité en fait, c'est que regardez les points FIFA, ils sont de 4400. Je vais vous expliquer déjà pourquoi c'est un bug en fait, tout simplement. Donc ce pote là a acheté 2200 points FIFA chez Micromania. Il est rentré chez lui, il a rentré son code, le code a été accepté, mais les points ne sont pas arrivés sur son compte. C'est-à-dire que le code a été accepté, mais il avait 0 points FIFA. Donc lui il s'est dit, voilà, il avait vraiment envie de paquer. Il a envoyé, vous voyez, vous pouvez payer par mobile sur PlayStation en tout cas, je ne sais pas si sur Xbox il y a ce système là, mais on peut payer avec son crédit téléphonique, c'est un petit peu comme Allo Paradise etc, mais à mon avis c'est beaucoup plus cher. Mais voilà, en tout cas on peut payer voilà, la somme qu'on veut de points FIFA avec son crédit téléphonique. Donc il a fait ça pour 2200 points FIFA et là aussi il ne les a pas reçus. Donc après ça, il a quand même galéré. Pas mal de fois, il a essayé d'aller dans le chat avec les conseillers d'IA, etc. Je l'ai fait aussi pour lui, pour l'aider. Et les conseillers disaient tout simplement que les points étaient sur son compte, alors que lui, il avait vraiment marqué 0 points FIFA. Donc après ça, on a réussi quand même à aller avec les conseillers FIFA, IA, etc. Sur les chats, par exemple, sur Internet, etc. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à le faire aussi. Ils vous aident quand même, même si c'est un petit peu galère à faire. Voilà, ils vous aident quand même. Et donc ils lui ont quand même mis ses 4400 points sur son compte. Hier soir, il va sur son compte, voilà, il avait ses points, etc. Il voulait paquer. Il commence à paquer un pack. Donc pack à 150 points FIFA, il ouvre, mais les points ne sont pas débités. Donc à partir de là, il ouvre encore 2 packs, 3 packs, 4 packs, 5 packs. Et les gars, les points n'étaient pas débités. Donc moi je me suis dit, voilà, j'ai envie de le montrer ce petit bug en tout cas chez EA sur YouTube. Et voilà, vous voyez les gars, tout simplement, c'est vraiment pas du mytho. Je pense que voilà, la vidéo le prouve. Les points ne sont pas du tout débités. Et on enchaîne les packs, on enchaîne les packs, mais les points ne sont absolument pas débités. Donc je sais pas si le bug vient de EA, je sais pas si ça vient de Sony, je ne comprends pas. En tout cas les gars, on peut packer gratuitement. Donc là, les packs que vous voyez, c'était moi, je me suis connecté sur son compte. Et je lui ai quand même packé des petits joueurs bien sympas. Donc voilà, il s'est quand même fait pas mal de bénéfices. Et voilà, tout simplement les gars. On a réussi à packer gratuitement. Donc je sais pas si quelqu'un a déjà eu ce bug entre guillemets, je sais pas comment on peut appeler ça, je pense que c'est on va dire un bug, mais je sais pas si quelqu'un l'a eu, mais je trouve ça exceptionnel. Ça veut dire qu'en fait, si ça continue comme ça, si au bout d'un moment il n'y a pas un arrêt de ce bug là, on peut packer mais des millions de crédits en fait, si on peut continuer comme ça. Bon, après voilà, je connais EA, je pense qu'ils vont vite nous stopper. En tout cas les gars, là j'ai packé, donc j'étais pas en live parce que voilà, c'était le soir, il était assez tard dans la nuit. Mais voilà quand même les gars, c'est quand même exceptionnel, on arrive à packer gratuitement. Donc pour une fois qu'on peut, pardonnez-moi l'expression, mais baiser EA, puisque généralement c'est quand même eux qui nous baisent. Voilà, tout simplement, les points FIFA n'étaient pas débités, on a packé gratuitement et on s'est fait déjà pas mal de bénéfices. Donc on va essayer de continuer de packer pour voir si on arrive à se faire encore plus de bénéfices, parce que voilà, au bout d'un moment, je pense qu'en packant de façon illimitée, on va toucher un Ronaldo, un Messi, etc. À mon avis, après voilà, je pense que ça va vite être stoppé par EA. Mais en tout cas les gars, il y a ce petit bug, je voulais vraiment vous le présenter. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu un bug comme celui-ci. Mais je trouve ça assez exceptionnel de packer gratuitement, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse encore quelques petits packs en musique, voilà, histoire de vraiment vous prouver que ce n'est pas un mensonge. C'est vraiment la vérité les gars. Vous voyez, de toute façon, les points ne sont pas débités. Et on avance, plus les packs passent, plus les points restent les mêmes, hein, 4400 points. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager surtout ce petit bug. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était NL à la suite, salut tout le monde. Ok, c'est parti les gars, allez, Grizzly, Bigman, donne-nous du lourd s'il te plaît, un bon petit joueur, au moins 100 000 crédits, ce serait énorme. Milieu central, Manchester City, Fernandinho les gars, ça doit valoir quelque chose, on va aller comparer ça tout simplement.